l'occasion de sortir et de montrer les voitures anciennes, hein, comme il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup de superbes voitures, très anciennes, mais dans un excellent état. Ce concours qui réunit quelques-unes des plus belles voitures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Ce mois-ci, je suis très heureux de vous accueillir à Saint-Raphaël au défilé d'élégance automobile qui a eu lieu tous les ans sur le golfe de Valescure. Jean-Pierre Cornu nous présente ce défilé. Oh ben, ça existe depuis 21 ans. Je tiens particulièrement à remercier la municipalité de Saint-Raphaël pour nous permettre, ici dans le cadre somptueux du golfe de Valescure, sur ce green qui fait tellement bien ressortir la beauté des voitures, d'organiser tous les ans ce concours qui réunit quelques-unes des plus belles voitures de la Côte d'Azur et d'ailleurs, car j'ai des voitures qui viennent de très loin. Avant de se rendre au centre du défilé pour admirer les stars de l'événement, nous avons interviewé Frédéric, un abonné de notre micro que vous connaissez sans doute si vous avez vu nos précédentes émissions. J'ai eu vent de la manifestation un peu par hasard sur Facebook. Et puis, comme je suis tous les étés dans le Var, à peine une heure de route, je me suis dit que j'allais contacter l'organisateur pour essayer de participer. Et donc, il m'a invité avec grand plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission du mois de décembre 2015, il vous renouvelle la présentation de sa Porsche 356. Alors c'est un Roadster de 1960. Donc Porsche a fabriqué des cabriolets très légers pour les États-Unis au début qui s'appelaient des Speedsters. Et au fur et à mesure des années, ils les ont un peu embourgeoisés. Et en 1959, ils sortent un convertible D qui est donc sur une base de Speedster, mais avec un pare-brise plus haut et des fenêtres dans les portes. Et l'année d'après, la carrosserie change, et le nom aussi, et donc il s'appelle Roadster. Il sachait d'ailleurs que Frédéric a obtenu le deuxième prix catégorie post-classique 1960-2010. Allez, pour vous faire saliver un peu, sachez que nous essayerons la mythique Porsche 911 3 litres 2 sur l'une des plus belles routes de France. Rendez-vous en fin d'émission. Tout de suite, on se dirige vers l'une des deux voitures stars de ce défilé, la Porsche 908 LH. Et donc, nous avons ici sous les yeux cette superbe Porsche 908 LH, soit Langeck, qui veut dire en fait long queue en allemand. Et oui, c'est un modèle spécial, il a été allongé pour les circuits rapides comme celui du Mans. Elle a couru, oui, au Mans dans la fin des années 60 et début des années 70. Cette 908 long queue, qui est une voiture absolument exceptionnelle, qui a un très beau pedigree, puisque cette voiture a couru à l'époque les 1000 km de Monza. C'est une voiture extrêmement rare, donc il y a eu peu d'exemplaires. Et puis également une voiture qui est un peu plus loin, qui est ici aussi, qui est la 911R, qui a couru à l'époque la Ronde Sevenol et qui sera présentée d'ailleurs par Gérard Larousse, qui était son pilote de l'époque, qui a couru avec cette voiture. D'ailleurs, Gérard Larousse a gagné également le Tour de France automobile avec une 911R. D'ailleurs, nous avons rencontré Gérard Larousse qui nous parle de sa 911R. Alors attention, certains d'entre vous pensent peut-être à la toute nouvelle Porsche 911R que nous vous avions présentée au Salon de Genève. L'auto que vous verrez est également une 911R, mais il s'agit de la version de la fin des années 60. Bah écoutez, la Porsche 911R m'a laissé que de bons souvenirs, parce que c'était une voiture que j'ai conduite en 1969. C'est une auto qui était vraiment très performante et que j'ai beaucoup aimé piloter. Pourquoi ? Parce qu'elle était extrêmement légère. C'est une voiture qui était beaucoup plus légère que les 911 T de l'époque. Elle faisait 850 kg. Et elle avait un moteur plus puissant. Elle avait un moteur de Carrera 6, en fait, qui donnait en gros 220 chevaux. Donc ça faisait un rapport poids-puissance très intéressant et ça rendait la voiture très maniable. Et grâce à elle, j'ai eu des belles performances. J'ai gagné, dans l'ordre, j'ai gagné le rallye Neige et Glace vers Champs-Rousses. Après, j'ai gagné le Tour de France automobile.
Et puis en dernier, le Tour de Corse automobile, tout ça la même année. Donc c'était une belle saison avec cette voiture. Revenons un petit peu dans l'actualité. Gérard Larousse nous dit deux mots à propos des nouvelles 911. Alors, ont-elles vraiment perdu leur âme ? Pas du tout. Je viens d'essayer une voiture qui est exceptionnelle. C'est la 911R que j'ai essayée encore ce matin. C'est une voiture qui, justement, les Porsche a su garder la 911, garder son caractère. Bon, elles sont plus grosses, sont plus lourdes, mais elles sont encore plus performantes et elles ont gardé leur caractère, leurs caractéristiques principales. Vraiment, Porsche a su garder à la 911 son image. Et Gérard Larousse a bien voulu nous démarrer sa 911R, même si elle était plutôt capricieuse. Superbe voiture. C'est une association sportive, loi du Clermont, et Jean-Pierre Lejeune, Perrin et la magnifique Fillette, qui nous reçoit aujourd'hui. J'ai un autre applaudissement. Et même si les autos présentes sont anciennes, cela n'empêche en aucun cas aux jeunes de profiter de ce défilé. Ce défilé est vraiment très sympa, il y a de belles voitures, notamment la 911R. En effet, nous pouvons assister aujourd'hui à un superbe événement où nous voyons beaucoup de superbes voitures, très anciennes mais dans un excellent état. Il fait beau, il y a des belles voitures, on est heureux et puis on profite du spectacle. Les jolies voitures, il y a surtout des Porsche, de belles Porsche, notamment comme on l'a dit précédemment, la 911R. Mais il y a aussi d'autres voitures très anciennes qui peuvent être sympathiques car elles sont toujours dans un très bon état et enfin très bien conservées. Et tout de suite, c'est l'essai de la Porsche 911 3,2 litres de Alexandre sur les petites routes de l'Estérel. Salut Alexandre. Bonjour Louis. Alors déjà premièrement, pourquoi as-tu acheté en fait cette 911 3 litres 2 ? Alors la réponse est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est on dit toujours qu'on achète la voiture de ses 18 ans. Mais effectivement, cette voiture-là, elle est de 1988, donc c'est bien ma voiture de mes 18 ans. Mais c'est pas l'unique raison. En fait, passionné de Porsche, et pour moi la 3 litres 2 reste une auto mythique, on peut pas dire mal aimé, mais pas avec une grosse image, parce que ça a été la Porsche facilement accessible parce qu'il y a eu beaucoup en production, mais aujourd'hui trouver des très beaux exemplaires d'origine, c'est pas une tâche facile. On revient au début des années 80, Porsche allait presque abandonner en fait la 911 et les ingénieurs ont décidé de repartir à zéro. Alors, la 3 litres 2, c'est la voiture qui a, avec le boxeur, sauvé Porsche de la faillite, en fait. Parce que cette voiture, qui est une caisse des années 60, en fait, en carrosserie, était à son apogée. Et la 3 litres 2, par sa fiabilité, le dimensionnement de son moteur, faut pas oublier qu'en atmosphérique, de toutes les caisses G, de toutes les 911, c'est le plus gros moteur en termes de cylindrée. Et ça a donc effectivement contribué à relancer Porsche à l'époque. Et c'est réellement une voiture à succès chez Porsche, la 3 litres 2. J'imagine, tu prends beaucoup de plaisir à la conduire. Qu'est-ce que tu ressens ? Je dirais que oui, je prends forcément beaucoup de plaisir. C'est une voiture qui est pas du tout aseptisée, comme les voitures d'aujourd'hui. C'est une voiture, on pourrait dire, une voiture virile. C'est pas une voiture vraiment féminine. Pourquoi ? Parce que pas de direction assistée, pas d'ABS, des commandes relativement
dure et ferme, mais néanmoins avec une certaine souplesse sur les versions avec des boîtes de vitesse G50 les plus recherchées, parce qu'elles ont un embrayage hydraulique contrairement à l'ancien embrayage à câble des boîtes 915. Un moteur 6 cylindres à plat arrière, un son inimitable, une ligne devenue mythique, un tableau de bord 5 cadrans et une incroyable faculté à évoluer à l'aise, partout, tout le temps. Aujourd'hui, la Porsche 911 3 litres de Carrera représente sans doute l'investissement le plus pragmatique et polyvalent en termes de 911. La mécanique de cette 3 litres 2 est à la fois souple et puissante, capable d'évoluer sur un filet de gaz en ville, comme d'avaler les kilomètres à vitesse élevée. Mais la 3 litres 2 sait aussi prendre soin de ses occupants avec de nombreuses options comme le cuir intégral, la climatisation, le régulateur de vitesse et bien d'autres. Comme nous l'a dit Alexandre, la principale évolution de la série des 3 litres 2 consiste en l'arrivée d'une nouvelle boîte G50 pour le millésime 1987, en remplacement de la boîte 915 pour assouplir les commandes grâce à un embrayage hydraulique. Autre bon point, les 911 3 litres 2 vieillissent globalement bien. Qualité de fabrication, matériaux haut de gamme, etc. lui permettent de bien traverser les années à condition que leurs propriétaires les aient bien entretenus. Les 3 litres 2 sont devenus de véritables classiques qui commencent à remonter sérieusement dans les cotes et sont recherchés par ceux qui ont du nez. Comptez un peu plus de 40 000 euros pour un modèle en bon état et peu kilométré. La boîte G50 ajoutera une plus-value de l'ordre de 1500 euros sur la valeur de l'auto. Et maintenant, ouvrez grand vos oreilles et profitez du paysage de l'une des plus belles routes de France, celle de la Corniche d'Or entre Saint-Raphaël et Mandelieu. Elle longe le massif de l'Estérel par le littoral sur une trentaine de kilomètres. En dehors des villes traversées, des paysages naturels préservés s'offrent à vous. Dominée par une roche de couleur rouge, l'itinéraire est parsemé de nombreuses calanques, une route rêvée en Porsche.
Merci d'avoir visionné cette émission. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous inscrire à notre newsletter en cliquant sur notre site web www.leporchistepro.jimdo.com. Je vous invite à me retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.